Bienvenue sur ma chaîne Mon Petit Potager Urbain. Je suis heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo qui aura un format différent. Je souhaitais vous parler d'un site sur lequel j'ai acheté mes graines cette année. Je vous les montre, elles sont là. Vous voyez, j'ai acheté un paquet de graines. Alors pourquoi ce site? Je vais vous raconter la petite histoire. Ce site, je l'ai découvert lors du premier confinement. J'étais en galère de terreau, j'étais en galère de graines, j'étais en galère de tout. J'avais fait quelques semis, mais j'étais très fébrile. Du coup, je cherchais des plants prêts à être plantés. Et j'ai donc trouvé ce site, Le Tomatologue, qui proposait des plants bio et de variétés anciennes, et surtout de variétés rares, hein, que je n'avais vues nulle part. Donc c'était pour moi l'idéal. Depuis, j'achète les graines chez lui, et j'achète aussi des plants si besoin pour me dépanner. Je vous cache pas que ça fait 2 ans que je n'ai pas acheté de plants, mais les plants arrivent dans un état incroyable. Donc prenons quelques minutes pour parler de ce site. Ce site, c'est donc tomatologue.eu. J'ai eu la personne au téléphone, il est adorable et c'est un vrai passionné. Il a près de 500 références sur son site. Donc je vous invite vraiment à vous amuser à aller sur son site. Il a à la fois les graines, donc que vous pouvez acheter, et vous avez aussi les plants. Alors c'est sûr que si vous lui demandez des plants là tout de suite, il va être un peu en difficulté, il est en train de les faire. Et bonne nouvelle, il a une chaîne YouTube et il vous montre comment il fait pour faire des plants greffés par exemple. Du coup, vous pourrez vous procurer des plants ici, prêts à être plantés au bon moment, et ça c'est important. Il vous parle un petit peu hein, de quelques histoires de la tomate ici, et ici il vous parle un petit peu aussi de la multiplication des tomates. La partie qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est la partie des graines. Dans cette catégorie, je vous invite vraiment à vous naviguer dessus, Vous avez la première catégorie ici, qui est par ordre alphabétique, et vous y retrouverez l'ensemble des tomates. Et ensuite, vous pouvez aussi retrouver des tomates en fonction de leur calibre, format cocktail, format cerise, etc., et par leur couleur. Personnellement, je vais aller ici. Et nous allons parler des tomates classiques. Par exemple, j'ai acheté moi ces graines ici là, je voulais essayer l'ananas noir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve des images, des visuels et un descriptif assez complet et des vidéos. Donc je vous invite vraiment à jeter un œil sur les espèces qui sont intéressantes pour vous. Par exemple, moi j'ai sélectionné celle-ci qui était à la fois pour moi intéressante. Pourquoi? Parce que je recherchais, moi j'aime bien ce genre de tomates qui sont assez charnues, qui ont beaucoup de chair. Donc j'ai un petit peu navigué sur son site pour trouver la bonne variété. Et à chaque fois, on a des éléments de l'origine, on a des éléments concernant si c'est un plant à croissance déterminée ou indéterminée, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller sur ces fiches et à regarder un petit peu. C'est vraiment très très riche. Les sachets contiennent 25 graines. Et ils arrivent sous cette forme-là, et à l'intérieur, il y a un petit sachet en plastique hermétique. Donc, ce site est vraiment très intéressant, je vous le conseille, surtout si vous cherchez des graines de tomates qui sont à la fois, je ne vais pas dire rares, mais qui ne sont pas communes, rares parfois, parce que certaines sont venues d'une hybridation que lui a fait. Donc ça peut être intéressant. Vous avez aussi des porte-greffes. Alors je m'y suis pas encore lancé, mais ils vendent des porte-greffes. Et justement, je vous mettrai dans les commentaires des liens vers ces vidéos et ce qu'ils réalisent sur YouTube. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter vos plants. Donc comme je l'ai dit, les plants pour l'instant, c'est ce monsieur hein, que vous aurez plaisir, il s'appelle Eric, que vous aurez plaisir de voir sur ces vidéos. Donc vous avez des plants francs et des plants de tomates greffées. Si on regarde ici les plants de tomates greffées, vous y retrouvez quelques plants de tomates, hein, de la Moya par exemple, j'ai acheté des graines aussi, qui sont des tomates, une fois greffées, vous savez, le rendement sera très différent puisque vous aurez un rendement qui sera démultiplié. Et vous avez les plants francs si vous ne voulez pas partir sur des plants greffés. Et là, vous recevez un plant prêt à être planté au bon moment. Donc, je voulais vous parler de ce site au moment où vous êtes en train de faire vos graines. Pensez aussi à changer un peu de fournisseur. Moi, j'en achète un peu partout. Hein. Alors, c'est un coup de main, peut-être pour lui. Ça pourrait l'aider. Hein. Mais si vous vous promenez sur son site, vous verrez que déjà sur les graines, il commence à y avoir des ruptures de stock. Donc, moi, c'est surtout pour vous montrer que j'étais très satisfait du produit, que c'était une très bonne alternative
à d'autres sites. Et surtout, si vous n'avez pas le temps ou si vous avez un problème dans vos plans lorsque vous les préparez, ben, il y a toujours une alternative, il y aura le tomatologue. Voilà, donc c'était une vidéo courte sous un nouveau format. Je ne voulais pas perdre de temps à vous parler des graines que je suis en train de préparer là tout de suite parce que je ferai des vidéos sur mes graines. Mais voilà, ma sélection cette année, c'est le tomatologue pour ces graines qui sont ici et aussi pour la partie risque. Hein, si vous avez le moindre souci, sachez qu'ils vendent aussi des plants et je vais essayer les plants greffés cette année parce que j'aimerais bien voir la différence. Je suis toujours preneur de petits tests. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous avez liké, abonnez-vous. Pensez à partager et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, le tomatologue. Allez, salut!